Bonsoir mesdames, messieurs, très content de vous retrouver. C'est vrai, l'invité de ce soir, c'est toujours difficile de l'avoir sur ce plateau. Mais on a fait un effort et au moins il a accepté notre invitation. Nous vous offrons sur ce plateau aujourd'hui le prophète Joël Francis Tatou. Bonsoir prophète. Bonsoir tonton Jacques. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai dit que c'est difficile de vous avoir sur un plateau de télévision. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation, je me sens honoré. En tout cas. Et honoré d'être devant ce grand public pour apporter la parole du Seigneur. En tout cas, alors j'ai tenu à vous recevoir parce que il est vrai que déjà depuis un temps vous n'êtes plus ici même à Kinshasa, vous êtes ailleurs. J'aimerais que vous puissiez nous en parler et aussi depuis vraiment un bon bout de temps vous passez même plus à la télévision. Qu'est-ce qui se passe? On commence par la première question. Merci beaucoup. Après avoir fait 2 ans au Burundi où j'ai été pasteur d'une église dans laquelle j'ai travaillé, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit de rentrer au pays. Il était temps pour moi de rentrer au pays. Et après avoir débattu avec le Seigneur plus d'une fois, j'ai dit bon, je vais obéir et je vais rentrer. C'était juste à la veille des insécurités et de tout ce qu'on a appris sur les grandes chaînes de télévision, de tout ce qui s'est passé au niveau du pays. Et je suis rentré au pays, mais je disais au Seigneur, tu me veux où précisément? Je suis quinois, je suis de Kinshasa, toutes ces années j'ai travaillé ici. Et quoi de plus normal que de commencer l'église ici? Parce qu'il m'a dit, tu rentres maintenant pour commencer l'église. Vous le savez, plus de 5 ans déjà, j'ai commencé le ministère qu'on appelle la MAPRE, la mission apostolique et prophétique pour le réveil, qui par la grâce de Dieu a béni... D'ailleurs, il y a une question sur oui, ça. Oui, qui a, oui, exactement, qui a béni le pays, béni aussi cette génération, vraiment par la grâce de Dieu. Et Dieu m'a dit, maintenant, tu commences l'église. J'ai dit, ok, je vais commencer. Mais je commence où? Et il m'a dit, tu commences au Katanga, à Lubumbashi précisément. Et ce n'était pas évident pour moi. Quinois. Et bon, c'est vrai que nous ne sommes pas dans le tribalisme et dans toutes ces discriminations, mais le Katanga n'est pas un terrain aussi aisé. Déjà, je suis Katangais de par mon père et on ne garde pas de très bons souvenirs du Katanga. Et Dieu m'a dit, tu y vas et tu commences l'église. Et je suis depuis près de 9 mois où j'ai commencé l'église. L'église n'a que 7 mois. Église porte des cieux. Nous avons commencé à Lubumbashi et par la grâce de Dieu, nous voyons la main de Dieu. Quand Dieu vous ordonne et que vous obéissez, vous ne pouvez que voir les miracles. Mmh. Et là, nous avons établi déjà, par la grâce de Dieu, à Lubumbashi et nous établissons à Kinshasa. Nous établissons en Namibie, déjà pour cette année à Windhoek, nous établissons en France, à Paris. Et voilà, l'église commence très jeune, mais elle est déjà en train de prendre du territoire. Mmh. Déjà, bon, je crois que c'est aussi par le fait que la MAPRE avait déjà préparé le terrain. Mmh. Et maintenant, nous sommes en train d'implanter l'église. Voilà. Ah, et les médias, la télévision, la radio, on ne vous a plus vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, disons, on ne m'a plus vu précisément à Kinshasa, parce que j'ai été à Lubumbashi, très souvent à la télévision. Mais disons... par rapport à certaines choses, Dieu m'avait quand même dit de me taire. Vous savez, vous êtes sans ignorer que beaucoup de choses ont entouré un peu notre ministère par rapport aux manifestations de la puissance de Dieu. Et Dieu m'avait dit, tu ne parleras qu'après une année. Donc, ce n'était pas évident. Et Dieu a dit, tu n'as le droit de parler qu'après une année. Et voilà, il fallait faire profil bas, laisser Dieu vous briser, vous tailler, vous préparer, vous apprendre aussi des choses que vous devez bien faire, mieux faire et ne pas faire peut-être. Et voilà, donc nous sommes là de nouveau sur scène. En tout cas, je disais qu'il y avait une question prévue par rapport à la MAPRE. C'est vrai, tout a commencé avec la MAPRE, ce ministère, avec beaucoup de manifestations de la puissance de Dieu. Maintenant qu'il y a l'Église, et l'Église jeune, mais voilà, qui est déjà implantée un peu partout, comment le prophète que vous êtes peut maintenant, en tant que père, va maintenant s'organiser parce que c'est aussi beaucoup de charges et beaucoup de travail maintenant? Exactement. Vous savez, la MAPRE, la mission apostolique et prophétique pour le réveil, elle est la structure qui me permet d'articuler tout ce que Dieu m'a dit de faire sur la terre.
Donc la MAPRE a engendré l'Église Porte des Cieux, autant qu'elle engendrera l'école de ministère et tant d'autres structures qui auront attrait à ce qui est professionnel, social et ainsi de suite. Donc la MAPRE est la structure mère, mais qui a engendré l'Église Porte des Cieux. Mm-hmm. Et vous savez que c'est une bonne chose de faire des œuvres du ministère, organiser des réunions, bénir le corps du Christ, des gens venant de partout, mm-hmm. travaillant dans toutes les églises, mais œuvrant avec vous. Mais il arrive un moment où je crois que l'Église locale est très capitale parce que, vous savez, avec les gens de ministère que nous avons, ce n'est pas évident d'enseigner des choses à un peuple et de savoir qu'ils rentreront chez eux dans leurs églises où peut-être leurs leaders spirituels ne sont pas totalement d'accord avec ce que vous dites. Donc vous allez faire un travail combattant l'air. Mais quand vous avez des gens qui sont, entre guillemets, à vous, vous savez les instruire, les enseigner, vous savez vous déverser en eux, les inculquer, afin de former un peuple. Et Dieu m'a dit, rentre au Congo, commence l'église, et il m'a dit, bâtis-moi un peuple en bâtissant une église. Et ça, c'est de par mon appel au ministère apostolique. Donc l'église n'est que le cadre, mais Dieu veut qu'on bâtisse un peuple selon le mandat et le message qu'il m'a donné. Apparemment, vous avez fait un mouvement contraire. Beaucoup parmi vous commencent par l'église locale, implanter une église locale. Et puis, pendant qu'il y a l'église locale, eh ben, il y a le ministère à côté. Mmh. Vous avez commencé par le ministère et après, il y a l'église locale. Ouais. C'est le rythme de Dieu. Dieu a un rythme assez différent sur les uns et les autres. Et Dieu avait voulu que je commence par la MAPRE. Vous savez, j'ai fait près de 10 ans, j'ai travaillé dans des églises. Et je n'ai pas une aussi grande passion que de travailler dans la vision des autres. Vous le savez, dans cette ville, j'ai travaillé dans plus d'une église où j'étais pasteur assistant, où j'étais aux côtés d'un pasteur. Et je crois que Dieu a voulu que je travaille bien qu'ayant la MAPRE à côté, mais que je sois dans des églises locales pour apprendre. Et j'étais au pied des grands serviteurs de Dieu qui font un grand travail. Le tout dernier, c'était le pasteur Roland Dallot de l'église Philadelphie que vous connaissez, où j'ai fait plusieurs années, j'ai appris, j'étais enseigné, instruit, j'observais voir comment une église est organisée, les finances sont organisées, comment présenter un message. J'ai beaucoup appris et je bénis Dieu pour tous ces hommes auprès de qui je suis passé, j'ai appris. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après des années, vous savez, certaines personnes disaient, prophète, mais tu as la foule, tu as tout, pourquoi tu ne commencerais pas? Mais je crois qu'en tant que prophète, nous ne faisons pas les choses par ambition ou par opportunisme, mais nous faisons les choses par ordonnance, par mandat. Et Dieu m'a dit, va et commence. Et là, je suis très heureux d'être à l'église locale et je bénis Dieu pour tous ceux qui nous suivent d'ailleurs, qui sont dans notre église. Et comment vous pouvez, je suis content que vous ayez cité toutes ces églises-là, mais comment vous pouvez expliquer qu'un homme de Dieu, de votre trempe, avec toute la connaissance que vous avez et toutes les potentialités que vous avez accepté de passer dans des églises pour apprendre auprès de ces pères-là, alors que vous pouviez aussi créer directement et commencer. C'est le grand problème que les jeunes serviteurs de Dieu ont aujourd'hui, en particulier, parce que nous croyons que le ministère, c'est une course de vitesse. Et pourtant, le ministère, c'est une course d'endurance. Il faut aller calmement avec Dieu. Et j'ai appris avec Dieu quelque chose. Lorsque Dieu est pressé, il marche lentement. C'est assez paradoxal. Lorsque Dieu est pressé, il marche lentement. Il a appelé les apôtres. Ils n'étaient pas encore apôtres en ce temps-là. Il leur a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mmh. Suivez-moi, c'est maintenant. Je ferai de vous, c'est au futur. Mmh. Mais entre suivez-moi et je ferai de vous, il y a un temps. Un temps de transition. Et c'est le temps de la préparation. Il y a deux types de préparation pour le ministère. Il y a une préparation horizontale, celle de l'homme avec l'homme, et il y a aussi la préparation verticale, celle de Dieu avec son homme. Et, mais vous étiez déjà préparé quand même. Oui, j'étais déjà préparé, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez accepté d'apprendre. Oui, oui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que vous êtes prêt si ce n'est Dieu lui-même. 10 ans, c'est quand même énorme aussi. Oui, c'est énorme. Mais je ne perds pas. Vous savez, Mike Murdock, qui est un grand homme de Dieu, qui parle sur la sagesse en général, il a dit s'il y avait des choses que j'aurais pu recommencer dans mon ministère si j'en avais l'occasion, je crois que j'aurais plus passé beaucoup de temps auprès d'un homme de Dieu pour apprendre. Et je ne regrette pas d'avoir appris toutes ces années auprès de ces hommes de Dieu, parce que Dieu prend son temps de préparer l'homme qu'il a choisi. Et aujourd'hui, tout le monde, vous savez, nous sommes à l'ère de l'Internet, café, minute, périscope, Twitter, c'est à la minute, vous avez déjà une information dans le monde entier. Et aujourd'hui, tout le monde croit que tout se fait rapidement, même dans le ministère, à peine tu as l'appel, tu prends une grosse Bible avec ton gros sac et tu es devenu l'évangéliste international ou le prophète des nations. Non, Dieu prend le temps. Avant que Dieu ne travaille par vous, il doit travailler en vous. Et après, il va travailler pour vous.
Okay. Donc avant que Dieu ne travaille au travers de vous, il va travailler d'abord à l'intérieur de vous. Et là, il vous taille, il vous brise, il vous apprend l'humilité. Et j'ai beaucoup appris en étant soumis. Vous savez, des fois, ça bouillonnait de vouloir faire des choses, mais Dieu te dit, tu dois obéir à ce que ces hommes te disent de faire. Et je terminerai peut-être par ceci. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ était fils de son Père qui est dans les cieux. Mais il a d'abord été aide-charpentier de Joseph. Donc lorsque Joseph fabriquait une table, il devait en faire aussi autant. Et c'est alors juste après ça. Dieu. Voilà. Et pourtant, c'est juste après ça que la voix s'est fait entendre pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et dans Jean 5, Jésus dit, il dit « Tout ce que je fais là, je ne le fais pas de moi-même. Je l'ai vu être fait auprès du Père. C'est comme ça que je reproduis ce que j'ai vu. » En fait, tu ne peux pas être à un niveau de ministère où tu ne reproduis uniquement que ce que Dieu te dit, si tu n'as pas appris à reproduire ce qu'un homme que tu vois avec tes deux yeux est en train de faire pour que tu reproduises. Mais quelqu'un pourrait dire que ce que Dieu te dit, c'est déjà parfait. Oui, ce que Dieu te dit, c'est... La formation de Dieu, c'est déjà bien. Oui, mais Dieu passera toujours par les hommes. Et quand vous regardez l'appel de l'apôtre Paul, par exemple, Jésus l'apparaît et il devient aveugle. Mmh. Jésus le dit, tu vas aller voir un homme qui va prier pour toi pour t'ouvrir les yeux. Chaque fois que tu as l'appel au ministère, Dieu va verrouiller quelque chose en toi. Dieu va te rendre aveugle. Dieu va casser, fermer quelque chose en toi que seul un homme va déverrouiller. Il va t'ouvrir les yeux pour que tu avances dans ton ministère. Donc, l'homme est la méthode de Dieu pour former l'homme. En parlant de ministère, permettez que je puisse ouvrir une parenthèse. Je vous en prie. Par rapport à ce qui se dit, on vous accuse, prophète Joël Francis, Tatou, puisque vous êtes là, d'avoir occasionné justement, on va dire, ce réveil ministériel auprès des jeunes. Et du coup, il y a maintenant une certaine vague des jeunes qui ne respectent rien, qui n'ont aucune éthique et qui vont comme ça et qui sont carrément, on va dire, sans père. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Un grand ecclésiologue de notre nation, le pasteur Jean-Bosco Kindoma, que je cite, a dit lors d'une grande conférence qui avait été organisée, d'ailleurs je crois que c'était à l'église de la Louange chez le pasteur Galassi, il avait dit, aux années 1998-99, il a dit « Tout réveil vient avec des déviations et des débordements. » Donc il n'y a aucun réveil qui est parfait, parce que Dieu envoie le réveil, mais ce réveil passe par des hommes qui sont imparfaits. Et en général, ce sont des personnes qui n'ont pas été formées, qui se forment dans le tas. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a utilisé pour amener un grand réveil dans le mouvement auprès des jeunes. Mais je crois que ça fait partie des débordements et des déviations, de ceux qui ne sont pas auprès de nous. Parce qu'à vous en parler, vous avez attendu quand même 10 ans auprès des pasteurs. Oui. Ben les jeunes, ils veulent commencer maintenant, avoir tout maintenant et tout de suite. Oui. Et c'est exactement ce que je dis. Je dis que c'est surtout auprès de ceux qui n'ont pas été proches de nous. Ceux qui étaient proches de nous m'ont vu. Je tenais des grandes réunions avec une grande foule, mais à la fin, je disais aux gens, allez à l'église dimanche, là où je prie. Et la plupart de ceux qui ont été gagnés dans mon ministère travaillent aujourd'hui dans beaucoup d'églises de la place. Et je les ai laissés dans des églises. Et ceux qui sont près de moi peuvent tirer un modèle de moi-même pour savoir, on ne quitte pas une église dans le désordre, on va d'abord chez le Père spirituel qui prie pour toi et qui te bénit. Et partout où je suis passé, j'ai toujours eu la bénédiction des leaders spirituels avant de continuer ma route. Donc je crois que ceux qui sont près de moi peuvent tirer un bon exemple que nous ne courons pas pour le succès, nous ne courons pas vers le succès, la renommée, la notoriété, mais nous sommes des serviteurs de Dieu et Dieu nous emmène. Vous savez, le ministère est fait en termes de saison. Hein. Il y a une saison où Dieu te taille, te forme, te prépare. Mais les plus grandes choses, maintenant, viennent à peine de commencer. En tout cas, alors, si vous devriez nous parler à cœur ouvert, je vous en prie, comment vous pouvez définir ou expliquer votre service, votre onction, votre ministère? Comment vous pouvez l'expliquer? Je crois que j'ai eu la grâce parmi plusieurs serviteurs de Dieu, comme plusieurs serviteurs de Dieu d'ailleurs, d'être appelé au ministère. Et lorsque j'ai eu l'appel au ministère, l'homme qui a prophétisé sur moi, c'est au Stade des Martyrs en 1998. Là, c'était vraiment le saut, parce que plusieurs années avant, déjà, le Seigneur m'avait parlé. Je sentais déjà l'appel en moi. Mais en 98, le 8 février 98, cet homme m'a regardé du haut de la chair. Il a dit, le jeune garçon, chemise bleue, Dieu t'appelle un ministère de puissance. Je vous assure, je suis tombé sous la puissance de Dieu. Je tremblais, c'était du feu, de l'eau partout dans mon corps. Et je me rappelle d'ailleurs que les Kunda Sisters étaient là et Médi Kitele était là d'ailleurs. Elle m'a même pris par la main, elle a dit, tu ne peux pas imaginer devant toutes ces personnes que Dieu t'appelle et te choisisse, tu as quelque chose de particulier. Je rentre à la maison, je prie avec ma mère tombe, ma soeur tombe, mon frère tombe, tout le monde tombait sous l'onction. Alors, je me disais, mais qu'est-ce qui se passait?
Même à l'école, quand je me tenais, quand j'entrais, quand je conduisais la prière, les gens tombaient en classe. Même quand je m'asseyais, quelqu'un était à côté de moi et il était en train de trembler parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose d'assez étrange à côté de moi. Je ne savais pas expliquer ça. Bref, c'était l'appel à un ministère de puissance. En fait, un ministère de puissance n'est pas parmi les cinq ministères. Vous n'avez pas effrayé à l'époque? Beaucoup, beaucoup, parce que tu as peur. Il y a des fois, tu es à la maison, tu es en train d'étudier, quelqu'un vient et te serre la main et tombe. Tu entres dans la chambre, quelqu'un entre, il tombe. Et tu te dis, mais ça veut dire quoi? Tu ne sais pas toujours expliquer qu'est-ce qui se passait. Vous savez, l'humain supporte difficilement le divin. Parce que quand on parle de la gloire, on parle de la kabod en hébreu, c'est un poids. Et quand le poids de la gloire de Dieu tombe, il est très difficile que le poids de l'homme, que la force de l'homme puisse tenir debout. Et tout a commencé quand j'ai compris que j'étais appelé à un ministère de puissance. Que veut dire un ministère de puissance? Oui. Un ministère de puissance, ce n'est pas parmi les cinq ministères, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, non. Un ministère de puissance, c'est un ministère, même parmi les cinq, qui est caractérisé par la manifestation quotidienne, permanente, ou permanente, disons, des dons de puissance. Dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul parle de 9 dons spirituels. Et on classifie cela en 3 catégories. L'une des catégories parmi les 3, c'est la catégorie des dons de puissance. Qui comprennent le don de foi, le don des guérisons et le don d'opérer les miracles. Un don, un ministère de puissance est un ministère en général caractérisé par ce genre de manifestations. Le don de foi est à l'œuvre, le don d'opérer les miracles est à l'œuvre et le don des guérisons est à l'œuvre. Et un ministère de puissance est aussi un ministère par lequel on voit un déploiement des signes, des prodiges et des miracles. En général, c'est ce qu'on appelle un ministère de puissance. Tu peux être évangéliste, mais tu as un ministère de puissance. Donc, un ministère ministerium, en latin, veut dire une tâche qu'on effectue au quotidien. Et par la grâce de Dieu, je serai humble de le dire, ça fait près de plus de 18 ans maintenant que je prêche la parole de Dieu et j'ai vu des réunions où les gens s'écroulaient sous la puissance de Dieu. J'ai vu des réunions où des paralytiques marchaient, des aveugles voir, des sourds entendre, des morts ressuscités, des jambes courtes poussées, des choses, je vous dis, inimaginables se produire. Donc tu peux être dans les cinq ministères, ouais, et avoir en plus le ministère de puissance. Oui, un ministère de puissance, ce n'est pas... C'est quelque chose de plus. Oui, oui, oui. C'est, Dieu te donne une puissance. C'est pas un ministère à part. Voilà. Non, 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 c'est pas un ministère à part. C'est juste, c'est juste comme un sceau que l'on met sur toi. Vous savez, Dieu m'a appelé comme il a appelé Moïse. Il a dit, Moïse, je t'appelle, je t'envoie vers un peuple, je te donne un message. Il a dit, mais quand je vais aller, les gens vont dire quoi? Il a dit, tu me présenteras comme ceci et comme cela. Et d'ailleurs, voici même les miracles qui vont t'accompagner. Et quand il est allé, il avait un mandat et il avait des signes qui l'accompagnaient. Et tous les hommes de Dieu n'ont pas ces signes. Jérémie, par exemple, n'en avait pas beaucoup. Daniel aussi, ainsi que d'autres. Mais il y a, sur certains, il y a un peu de l'emphase, des manifestations spectaculaires de la puissance de Dieu. Et par la grâce de Dieu, c'est ce à quoi j'ai été appelé. C'est ça. Donc là, le ministère de puissance, on va le dire comme ça. C'est, c'est un peu comme un sceau. Voilà, c'est un peu comme un sceau. Excusez-moi, d'ailleurs, j'aimerais citer Romains 9, verset 17. Dieu m'avait dit ce qu'il avait dit à Pharaon. Il a dit à Pharaon, « Voici, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit répandu sur toute la terre. » Dans le but, c'est que son nom soit répandu sur toute la terre, que les gens croient en Jésus-Christ, mais il m'a suscité et il a mis le sceau. Et ce sceau, c'est la puissance de Dieu. Je peux vous assurer, je suis allé dans le monde entier et j'ai vu la puissance de Dieu ne pas tenir compte de la race, de l'âge, du niveau social, la puissance de Dieu être manifeste à Lubumbashi. C'est extraordinaire, notre entrée à Lubumbashi. Bon, ça nous a valu un peu de persécution quelque part, mais la puissance de Dieu est réelle et elle est biblique et elle est réelle aujourd'hui. Comment on peut comprendre ça, justement, la puissance de Dieu? Oui, on sait que c'est une puissance qui vient de Dieu, mais dans la pratique, comment on peut comprendre ça? Jean, Genèse chapitre 17, verset 1 dit ceci. Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et c'était un homme qui était à près de 90 ans déjà. Il lui dit, sois intègre. Et intègre en hébreu veut dire mature. Mature, okay. Mature. Imaginez-vous Dieu exiger la maturité à quelqu'un qui a 90 ans, 90 ans. C'est quand même assez surprenant. Je suis déjà mature quand même. Voilà. Et au départ, Dieu se présente, il dit, je suis le Tout-Puissant. En hébreu, c'est « Je suis El Shaddai ». Je suis El Shaddai. Je suis le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Déjà, quand on parle de la puissance de Dieu, on doit lier la puissance de Dieu à la nature de Dieu. Dieu, dans les noms de Dieu que nous connaissons, de par les Hébreux, nous connaissons El Olam, nous connaissons El Rapha, nous connaissons Yahweh Jireh, nous connaissons aussi, mais peu de gens, surtout au Congo,
peu de gens, surtout dans la francophonie, dans notre génération, peu de gens connaissent El Shaddai. El Shaddai veut dire le Dieu tout-puissant, donc qui a toute la puissance avec lui. Donc de la nature de Dieu déjà, Dieu est tout-puissant. Il a toute la puissance. Et sa puissance lui donne la capacité d'exécuter ce qu'il a prévu de faire. Même dans Jérémie chapitre 10, verset 12, la Bible déclare que Dieu a créé le monde par sa puissance. Donc même le monde, comme le disent les scientifiques, c'est un miracle qu'on voit les univers, les systèmes solaires, les planètes, les étoiles, les soleils, il y a plusieurs soleils et ainsi de suite. C'est incroyable. Mais la Bible ne se touche pas. Qui ne se touche pas. Partie du système solaire, ils ne se touchent pas. C'est vraiment incroyable. Et Dieu dit que, Jérémie dit que c'est par la puissance de Dieu que Dieu a réalisé cela. Donc la puissance de Dieu, c'est ce qui crée le miraculeux que nous voyons aujourd'hui dans l'Église et sur la terre. Mmh. Est-ce que la puissance de Dieu ou mieux, je vais dire, le ministère de puissance peut se manifester aussi par ce que certains peuvent appeler du sensationnel? Oui, évidemment, parce que le sensationnel est en général la réponse de l'homme à ce qui l'étonne. On a des frissons, on tremble, on pleure, on ébahit, on tombe. J'ai vu des gens, nous étions par exemple à Lubumbashi et une femme est venue, elle avait un gros ventre. Je pense que les images, nous les avons dans notre ministère. Et elle avait un gros ventre et j'ai dit, madame, ce ventre va diminuer tout de suite. Et j'ai demandé au caméraman de prendre sa place, il était là, il a pris la place. Et j'ai dit, bon, ventre, répond à la voix de la puissance maintenant. Et on a vu le ventre qui était gonflé commencer à diminuer devant tout le monde. Les gens criaient, la femme criait, tout le monde criait, le ventre est en train de diminuer. Pourquoi Dieu a fait ça? Il a fait ça pour étonner les gens. C'était sensationnel. Bon, c'était spectaculaire. Incroyable. Spectaculaire. Les gens disent non. Ça c'est encore quoi? La puissance de Dieu peut tout, parce que Dieu peut tout et sauf rien. Mais comment on peut expliquer maintenant qu'un être humain comme vous puisse aller exécuter des œuvres carrément qui sont du domaine du surnaturel? Joël Francis n'est pas le faiseur de miracles. C'est Jésus-Christ qui est le faiseur de miracles. Un jour, Jésus m'est apparu, j'étais entre les cieux et la terre, comme Ézéchiel chapitre 8, comme c'était le cas pour le prophète Ézéchiel, et il m'a dit, va et dis-leur que je suis vivant. Et s'ils ne croient pas, je vais t'accompagner par des signes, des prodiges et des miracles qui vont te suivre. Mm-hmm. Et c'est un mandat que j'ai au fait. Dieu ne m'a pas appelé pour toutes sortes d'auditoires. Il y a des hommes qui ne trouveront pas aucun intérêt à me suivre, aucun intérêt à faire partie de mon ministère. Mais je suis appelé spécifiquement pour une catégorie de personnes, pour les athées, pour les incrédules, pour ceux qui aiment les débats, pour ceux qui aiment la polémique, pour ceux qui aiment les contradictions. Dieu m'a amené là pour prouver à cette génération qu'il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le sensationnel, le spectaculaire, c'est ce qui accompagne en général un ministère de puissance. Ce n'est pas l'objectif. Parce que notre objectif, ce n'est pas faire du spectacle. Notre objectif, c'est de présenter Christ. Mais on ne peut s'empêcher de voir ces choses parce que quand même, ça peut choquer. Alors, permettez que je pose quand même cette question qui choque. Je vous en prie. Parce que c'est vrai, c'est difficile de vous avoir sur ce plateau. Je vous en prie. Voilà. Alors, il y a eu même des images. Vous avez eu des actions à Romeo Golf et tout et un peu partout. Et dans ces images-là, on voit des gens avec des billets de banque sortir de leur porte-monnaie, sortir de leur poche, l'huile sortir de leurs mains. Des unités, des mégabytes. Alors, comment vous pouvez nous expliquer ça aujourd'hui, puisque nous avons, on a cette chance de vous avoir? Je vais commencer par quelque chose qui est assez, qui est une observation et une interpellation pour l'Église de mon pays en particulier. Vous savez, en psychologie, en communication, même en sociologie, il est très important de savoir que une chose que vous ne faites que vous répétez à tout moment à un peuple ou à une personne ou à un groupe de personnes finira par devenir une vérité et deviendra finalement la base sur laquelle la personne ou le groupe de personnes poseront leur jugement. Je prends un petit exemple. Quand vous avez une jeune fille et vous lui dites toujours, tu dis à cette jeune fille, fais attention aux hommes qui sont des menteurs. Fais attention aux hommes qui sont des menteurs. Les hommes sont des menteurs. Voilà. Tu n'as pas dit que tous les hommes sont des menteurs, mais tu dis, fais attention aux hommes qui sont des menteurs. Et si tu es femme, tu es tante, maman ou je ne sais pas, grande sœur, à force de répéter cette phrase, tu n'as pas dit que tous les hommes sont des menteurs. Tu as dit, fais attention aux hommes qui sont des menteurs, pas à tous les hommes, à certains hommes qui sont des menteurs. Que tu le veuilles ou pas, après 3 mois, après 1 année, après un bout de temps, la personne aura une toute autre attitude face à tous les hommes, menteur ou pas menteur. Chaque fois qu'un homme viendra,
cette personne qui a entendu cette phrase sera dans la défensive, dira que c'est certainement un menteur. Pourquoi ? Elle a trop entendu cette chose-là. Et dans notre nation en particulier, Dieu a commencé à envoyer un réveil, d'ailleurs que plusieurs personnes ont prié, ont désiré voir le Dieu d'Alexandre Adinabala, le Dieu qui agit avec ses hommes, avec le patriarche qui nous a quitté, Jacques-André Vernon. On a vu des miracles s'opérer avec les Telos Borne et beaucoup d'autres hommes de Dieu. On veut voir ces choses. Et alors que ces choses ont commencé, j'ai vu une grande campagne envoyée par l'enfer pour décourager les gens à croire au vrai. Si vous êtes pasteur et que vous passez votre temps à parler des faux pasteurs, que vous le voulez ou pas, votre peuple n'aura pas le respect des vrais pasteurs. Parce que chaque fois qu'ils verront un pasteur, la partie fausse viendra directement. Ou bien, quand vous passez votre temps de parler des faux prophètes, quand vous passez votre temps de parler des faux miracles, quand vous passez votre temps de parler des faux miracles prodigieux, sachez que pasteur, vous pensez faire l'œuvre de Dieu, mais au contraire, vous êtes en train de faire l'œuvre du diable. Parce qu'on n'a pas été loin pour dénoncer, on a été loin pour annoncer. Je ne dis pas qu'il faut exposer les œuvres du diable, mais je dis seulement que quand vous passez plus de temps à exposer les œuvres de la puissance du diable, vous êtes en train de rendre les gens sceptiques face à la puissance de Dieu. Pourquoi je dis ces choses ? Parce que nous avons créé une population incrédule aujourd'hui. Nous croyons bien faire, faites attention à tel esprit, il y a de la séduction dans l'église. Mais nous ne savons pas, nous avons rendu les gens très sceptiques à la puissance de Dieu. Parlons un peu de la puissance de Dieu. Oui. Le ciel connaît la puissance de Dieu parce que le Dieu que nous servons est le Tout-Puissant. Dieu a dit à Abraham, il a dit, tu as 90 ans, sois mature, moi je suis El Shaddai. Et une église n'est pas mature tant qu'elle ne connaît pas El Shaddai. Parce que c'est le même El Shaddai dans Apocalypse 1, verset 8 qui a dit à Jean, il dit, je suis le Tout-Puissant, c'est-à-dire je suis El Shaddai. C'est Jésus lui-même. Mmh. Jésus est le Tout-Puissant. Même Job a fini ses plaintes en disant que je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Parce que Dieu l'a fait voir comment il était grand et grandes étaient ses œuvres. Il dit, Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Mmh. Donc, il est impossible qu'avec notre petit cerveau, qui ne pèse que quelque chose, qui ne dépasse même pas 10 kilos, que tu puisses essayer de comprendre et de maîtriser Dieu et ce que Dieu est capable de faire. Et aujourd'hui, l'Église doit connaître la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu, quand elle est manifeste sur la terre, un paralytique marche, un aveugle voit, un miracle se passe, la terre peut crier miraculeux, mais le mot miracle est un mot divin, mais n'est pas un mot céleste, parce qu'au ciel il n'y a pas de miracle. Okay. Miracle est divin, mais n'est pas céleste. Au ciel il n'y a pas de miracle. C'est ici que nous disons miracle. Et miracle, c'est le seul mot que Dieu a donné à l'homme pour essayer de décrire l'indescriptible, pour expliquer l'inexplicable, pour comprendre l'incompréhensible. Et je vous assure que le ministère de Jésus était rempli des miracles. Concernant ce que vous me dites, par exemple, l'argent qui apparaît, l'huile qui apparaît, j'aimerais d'abord dire à l'Église, peut-être que certains ne lisent pas l'histoire de l'Église depuis les Actes des Apôtres, beaucoup de choses qui se font par mon ministère se sont déjà faites, ça fait 100 ans. Ça fait 200 ans de l'histoire de l'Église. Il y avait un nom, par exemple, comme Saint-Patrick. Aujourd'hui, il n'y a pas de serpent en Irlande. Ceux de l'Irlande peuvent vous le témoigner. Il n'y a pas de serpent parce que cet homme-là avait pris un serpent qui venait de mordre un enfant. Il a dit, je te bannis de l'Irlande. Il n'y a plus de serpent. Cet homme a ressuscité des personnes qui étaient mortes après 6 mois. Après une année, imaginez-vous, un homme, parce que nous, on croit en général chez nous, les miracles, c'est résurrection, c'est quelqu'un qui est mort 3 jours après. 4 jours après. Un an après, non. Marie-Missamo venait à peine de mourir. Vous avez vu comment les chrétiens étaient tellement incrédules parce qu'ils ne croyaient même pas qu'elle pouvait ressusciter. Vous croyez qu'elle pouvait ressusciter? Oui, oui, pourquoi pas. Juste en priant? Oui, juste en priant. Dieu avait envoyé une servante de Dieu qui est ma grand-mère spirituelle d'ailleurs, qui est la fille légitime d'Alexandre Adinabala, qui est l'un des pères du réveil de ce pays. Je crois que les gens oublient l'histoire. Bon, les gens ne consultent pas l'histoire en général. Et Dieu a utilisé beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont vu de l'huile apparaître dans leur réunion. Mais en général, quand c'est congolais, quand c'est Dieu utilise un congolais, très souvent, nous faisons beaucoup de débats autour de ça. Mais cela n'est pas le sujet. J'aimerais expliquer quelque chose. Oui. Il y a une différence. Quand on parle du miraculeux ou du mot miracle, en hébreu, c'est mofet. C'est tout ce qui est étonnant, qui est surprenant, qui est splendide, qui est choquant avec par l'œil nu. Et il y a plusieurs mots comme ça qui accompagnent la racine du mot miracle. Il y a le mot guérison, mais en général, beaucoup de chrétiens connaissent guérison. Il y a le mot prodige, il y a le mot signe, et il y a le mot œuvre. Beaucoup de chrétiens disent, nous croyons signe au prodige, mais ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Lorsque les gens voient ce genre de miracle, ils disent, non, ça nous édifie en quoi? Ou bien, qu'est-ce que ça apporte dans l'église? Et ainsi de suite. Ils n'ont pas tort non plus. Hein. Ils ont vraiment tort, parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Il y a une différence entre la guérison, le miracle,
pardon, la guérison, un signe, un prodige et une œuvre. Imaginez-vous par exemple, le mot œuvre, c'est le mot egnon en grec. Jésus dit, les œuvres que je fais, vous ferez des plus grandes que celles-ci. C'était le mot œuvre, mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Le mot signe et prodige, c'est tout à fait différent. Guérison, c'est tout à fait différent. Une guérison touche le corps de l'homme. Une guérison miracle, quelqu'un est malade, il a été guéri miraculeusement. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle un prodige. Un prodige est un acte miraculeux, surnaturel que Dieu produit pour susciter de l'étonnement. Dans Jean 5, verset 20, Jésus dit, le Père aime le Fils, il lui montre ce qu'il fait, il lui montrera des plus grandes choses que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc Jésus dit, afin, donc le but, que vous soyez étonné. Ça, c'est biblique. Donc Dieu peut faire des choses qui sont des prodiges. Pourquoi Jésus a marché sur les eaux? Bon, à part le fait que vous aimerez spiritualiser ça, non, l'eau c'est la parole, l'eau c'est le monde, non, arrêtez de spiritualiser. Pourquoi Jésus a marché sur les eaux? C'était prodigieux. À la fin, ils ont dit non. Même quand il a parlé, il a menacé le vent, il a dit, mais qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? C'est qui cet homme? C'était étonnant. En quoi est-ce qu'ils ont été édifiés? Est-ce qu'ils ont beaucoup plus cru en lui? Non, après d'ailleurs, ils avaient fui Jésus au niveau de la croix. Donc, un prodige est fait pour étonner. Et les ministères de puissance sont souvent, en général, accompagnés par des prodiges. Dieu fait des choses pour qu'on dise, oh, ça c'est encore quoi ça? Non, non, c'est pas possible. Non, 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 non. Ça c'est encore quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a autre chose qu'on appelle un signe. Un signe, c'est un acte surnaturel que Dieu produit pour donner un message, pour produire un message. Par exemple, quand vous voyez Moïse, Dieu dit à Moïse, il dit, prends ta main, mets à l'intérieur. Il met la main dans son sein, il sort, il voit la lèpre, il remet, et puis la main était saine. Il dit, prends ton bâton, il dit, jette. Il jette, et puis c'était un serpent. Quand il reprend, après, c'était le bâton. Il dit, s'ils ne croient pas à la voix du premier signe, ils vont croire à la voix du second signe. Parce que tous les signes ont une voix. Le but d'un signe, c'est le message. Quand tu es au carrefour et que tu vois le rouge, tu sais qu'il faut s'arrêter. Tu n'as entendu aucune voix. Mais le fait de voir te donne un signe. Genèse chapitre 1, déjà, Dieu avait établi le grand luminaire, le soleil, la lune et les étoiles pour présider, pour annoncer, pour être des signes. Et des fois, Dieu fait des signes comme ça. Et en général, par exemple, le miracle où tout le monde voit que l'argent apparaît, ça c'est un prodige. Dieu le fait pour étonner les gens. Et Dieu le fait pour étonner les gens. On est à Lubumbashi récemment. Les unités. Ça sont des prodiges. Vous savez, Dieu est dans la technologie aujourd'hui, parce que Dieu est au 21e siècle en 2016. Si Dieu veut faire un miracle aujourd'hui, Jésus n'allait pas peut-être entrer sur le dos d'un ânon, peut-être aller entrer dans une Range Rover. Donc, vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, Dieu fait des miracles selon notre contexte. Et vous savez, l'homme maîtrise la technologie. On maîtrise les systèmes, les unités, les ceci, les cela. Et Dieu entre là où vous croyez maîtriser pour vous choquer, afin que vous puissiez savoir que je suis Dieu et je peux faire au-delà de ce que vous pouvez penser, imaginer. Ça, ce sont des prodiges. Dieu les magiciens le font aussi. Alors, maintenant, quand Joël Francis le fait, est-ce de la magie ou du miracle, des signes? Je me retrouve avec vous dans le palais de Pharaon. Je vois des serpents à terre en train de se battre. Comment vais-je discerner le serpent de Moïse et celui des magiciens? Parce qu'ils étaient tous des serpents. Vous savez que Dieu aussi crée des serpents. Il est le créateur des serpents. Et Dieu a fait en sorte que la verge de Moïse devienne un serpent. Pourquoi le serpent? Ça, c'est la grande question. Même dans Jean chapitre 3, Jésus dit comme le serpent d'airain. Pourquoi Dieu peut prendre une image aussi diabolique, amphérique, maléfique? Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Le ministère de Moïse était un ministère, il devait aller auprès de ceux qui connaissaient ces choses. Et je peux vous assurer que tous ceux qui connaissent ces choses savent que la puissance que nous avons est au-delà de leur puissance. Et Dieu peut faire des choses. Voilà pourquoi des gens qui disent, mais il y a serpent. Dans les écoles aussi, il y a des gens qui faisaient apparaître l'argent. Oui. Qu'est-ce qui est différent? Mais à la fin, nous voyons l'objectif. Parce que, par exemple, je donne un témoignage. Nous étions à Lubumbashi et en pleine réunion, une sœur vient avec ses chaussures, ses ballerines. Elle vient et elle les jette sur l'estrade. Dieu me dit, tu dois prier pour elle. Et j'ai dit aux gens, venez avec les ballerines, vous allez donner à cette jeune fille. C'était au bâtiment de 30 juin. Et alors qu'elle était en train de venir donner ses ballerines, lui, il a commencé à couler de ses mains. C'était incroyable. Elle a reçu près de 22 paires de ballerines ce nuit-là. Même ma femme avait enlevé ses chaussures et elle lui a donné. On rentre à la maison, ma femme me réveille. J'étais sur le lit. Elle dit, chérie, c'est incroyable. Et elle me montre ses mains. Elle avait des poussières d'or. Je vous dis, de l'or. Votre femme. Amazing. Oui. Votre femme. Ma propre femme à moi.
J'aurais bien voulu l'interviewer en privé. Elle avait de l'or qui sortait. Pas que je suis incrédule, mais quand même, je veux savoir. Et ça, ce sont des signes. Dieu fait ça parce que l'or symbolise, quand vous lisez dans Nombre, vous lisez dans Exode, l'or symbolise la divinité. On a mis de l'or, on a mis à l'intérieur, à l'extérieur du bois d'acacia pour symboliser la divinité dans l'humanité de Christ. Parce que le bois d'acacia était Christ lui-même. Donc les poussières d'or sont des signes de la richesse, sont des signes de la divinité, de la présence de Dieu. L'huile qui sort, une huile que vous n'avez pas pris d'une bouteille, cette huile-là, c'est une huile qui vient tout droit du ciel. Et Dieu donne cela comme un... Le problème n'est pas le signe, le problème est... Est-ce que vous pouvez lire les signes? Par exemple, quand vous voyez des motards avancer, si vous ne connaissez pas ce qui se passe, vous ne saurez pas qu'une autorité est en train de venir à la suite. Donc un signe n'est pas signe, enfin, Dieu n'est pas responsable de ce que vous comprenez dans le signe. Mais il envoie des prophètes pour expliquer les signes qu'il fait. Je crois d'ailleurs que ça sera votre dernier mot, désolé. Parce que je garde la suite, il y a une suite pour les téléspectateurs. On va faire un numéro 2. Pour cette émission sur le plateau. Mais du moins, pour ce soir, qu'est-ce qu'on peut retenir? Jésus est vivant et il fait encore des miracles aujourd'hui. Sa puissance est réelle. Il accomplit encore des choses par des hommes aujourd'hui. Et en général, quand on nous vante quelque chose que nous ne comprenons pas, il est bon de prier, de demander le témoignage de l'Esprit pour dire, « Seigneur, peut-être qu'on veut rater quelque chose que tu fais dans l'Église. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe ?» Et Dieu peut vous l'expliquer. Et je crois que Dieu fait quelque chose de nouveau. Il fait des choses extraordinaires. Et je peux vous assurer que plusieurs, à la suite de ce qu'ils ont vu, viennent au Seigneur et disent, « J'ai été touché quand l'huile a coulé de mes mains. J'ai la conviction que je dois abandonner le péché. Je dois me consacrer à arrêter l'impudicité. » Donc, si ça ne vous édifie pas, ça édifie certainement quelqu'un qui a reçu Jésus aujourd'hui. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Prophète Joël Francis Tatou, merci. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Je sais, on n'a pas tout fini, on n'a pas tout dit, mais ce sera prochainement pour un autre numéro justement de Sur le Plateau, parce que je sais que les questions, il y en a beaucoup, il y en a tout plein. Allez, portez-vous bien et bonne suite de programme sur B1. Au revoir.